Glissons sur les flots bleus de l'Atlantique pour découvrir l'une des îles de l'archipel charentais. Un petit croissant dans l'océan qui fascine et interpelle par ses 129 hectares et ses 245 habitants. L'île d'Aix. Le village se dessine autour de larges voies jadis tracées en fonction des manœuvres militaires. Elle nous offre entre autres la perspective du majestueux fronton, emblème du musée napoléonien. Pourtant, l'empereur n'a passé que 3 jours en ces lieux, mais y a laissé son empreinte à tout jamais, ultime étape avant son exil à Sainte-Hélène. De petits chemins aux immortelles odorantes et aux senteurs de maquis nous guident en bordure de forêt. En 1808, Napoléon Ier décide la construction, sur le point culminant de l'île, d'un fort indestructible, imprenable, Fort Yeddo. Ouvrage bastionné, enfoui sous terre et recouvert d'un glacis d'herbe, il laisse deviner son impressionnant chemin de ronde et sa grande cour carrée. L'église Saint-Martin et son prieuré, vestige de 1067, étaient occupés autrefois par des moines cisterciens, premiers habitants insulaires. Au pied de ces vestiges s'exerce encore le rare métier de nacrier. Camouflés de verdure, ces bunkers défensifs, héritage de la Seconde Guerre mondiale, furent construits sur l'ensemble de l'île. Ils dominent et semblent protéger les agréables plages de sable fin. Quelques encablures, cet ancien sémaphore bâti en 1889 indiquait alors l'entrée de la Charente entre l'île de Ré et l'île de Léron. Le village est encore protégé de la mer par des remparts et des douves. Le passé militaire de l'île a fait d'elle une véritable forteresse. Les fortifications ainsi que le fort de la Rade prennent place sur l'île en 1691. D'une hauteur de 25 mètres, 2 élégantes colonnes dominent l'île et laissent porter leur feu à 44 km. Ces 2 tours qui composent le phare sont surnommées les géants de l'île. Laissons derrière nous l'île d'Aix, sentinelle impériale qui a su préserver son charme et son histoire, et prenons notre envol.